Je vous propose de découvrir la vie d'un homme qui a marqué une institution majeure dans notre économie, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, plus communément appelée BCEAO. Car si l'Union monétaire ouest-africaine brille aujourd'hui sur le plan monétaire, c'est à des hommes et à des femmes hors du commun qu'elle le doit. Parmi ces héros d'une nouvelle puissance se distingue un homme qui a laissé une trace considérable dans les institutions et l'économie de ces États de l'Afrique de l'Ouest, Abdoulaye Fadiga. Le gouverneur Abdoulaye Fadiga a façonné le destin de la Banque centrale et jeté les bases d'une nouvelle politique monétaire ouest-africaine. Il a su également insuffler un nouvel état d'esprit à une génération solidaire d'élites continentales. Abdoulaye Fadiga fut un grand bâtisseur et un grand nationaliste africain, un homme des temps modernes, un héros discret, mais une figure emblématique de l'Afrique en mouvement. Alors restez avec nous pour découvrir le fabuleux destin du premier gouverneur africain de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mars 1935, à l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire, Touba. Ce jour-là, en ces terres latériques du Mahou, Manama, né Bamba, donne naissance à son premier fils. Son père le prénomme Abdoulaye. Lorsque sa mère était enceinte de lui, donc il avait été prédit, ce garçon-là serait un garçon dont le monde entier entendrait parler, mais qui malheureusement ne vivrait pas très longtemps. Dans ce quartier à deux pas d'une mosquée, le jeune Abdoulaye grandit, entouré de ses parents. Mais alors qu'il n'a que 4 ans, sa mère décède, fauchée par la maladie. Ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile pour lui. Et d'ailleurs, même, il a, je vais dire, cherché sa mère pratiquement toute sa vie. Je pense, c'est ce que tout le monde dit, qu'il avait peut-être une affection particulière pour moi parce que je porte le nom de sa mère qu'il n'a pas connue. Son père Babadjan, lettré musulman très pratiquant, envoie son fils dès son plus jeune âge à l'école coranique. L'enseignement que reçoit le jeune talibé dans la madrassa de sa ville natale l'imprègne d'un islam apaisé, de tolérance. Abdoulaye Fadiga est éduqué dans le plus grand respect des traditions et dans la plus grande humilité. Il a fait l'école coranique, ce qui était une tradition dans notre famille depuis très très longtemps. La famille Fadiga est connue dans la région de Mans. Elle se distingue dans le transport et le commerce. Ici, là, était la rue commerciale. On vendait tout. Tout. Et c'est le grand-père qui vendait c'est tout, en fait. Le grand-père. Et quand papa sortait de l'école, il venait aider le grand-père ici, quoi. Ici. Le jeune Abdoulaye est donc plongé, dès son plus jeune âge, dans le climat des affaires. Chaque jour, après ses cours, il aide son père dans l'épicerie familiale. Ce contexte particulier explique pour beaucoup le pragmatisme dont il va faire preuve en grandissant. Abdoulaye Fadiga est un enfant calme et consciencieux. Alors qu'il a 10 ans, Babadjan, son père, décide qu'il recevra une éducation scolaire. Laye Mori, qui a été le premier pèlerin dans le Mahou, a dit à ses frères, comme nous n'avons pas d'interprète en français avec nous ici, j'aimerais qu'on envoie Abdoulaye à l'école française pour qu'il soit notre relais et l'administration coloniale. L'école publique va révéler au grand jour le potentiel du jeune garçon. Il effectue ses études primaires à Touba, puis à Bingerville. Déjà, les enseignants détectent cet élève sortant de l'ordinaire. Il a commencé l'école plus tardivement que ses camarades. Et pourtant, il réussit à boucler son cycle d'études primaires en 4 ans au lieu des 6 années habituelles. Il décroche sans difficulté le certificat d'études primaires élémentaires, ce qui lui ouvre les portes du cours secondaire d'Abidjan, l'ancêtre de l'actuel lycée classique où étaient scolarisés les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Pouvoir avancer, changer d'école, il fallait avoir les meilleures notes. Il a mémorisé le Coran, donc je me dis que quelqu'un qui arrive à mémoriser
tout un livre et certainement très intelligent. Ses excellentes aptitudes et la qualité de son travail lui permettent en effet de décrocher en octobre 1948 une bourse pour le lycée de Troyes dans l'Aube, en France. Il réussit brillamment son baccalauréat série philo en 1954. Dans la foulée, il s'inscrit à l'université de Dijon. 1957, il obtient sa licence de droit. Son père a refusé qu'il soit avocat. C'est la raison pour laquelle il s'est réorienté plus vers la partie économie. Il ne s'arrête pas là. 1958, 1959, 1960, il décroche tour à tour les diplômes d'études supérieures, d'économie politique, de sciences économiques et de droit public. Le voilà armé pour affronter la vie active. En marge de ses brillantes années d'études, l'on retient en particulier un engagement politique très intense qui permet d'éclairer quant à la détermination du futur gouverneur. J'ai aperçu des photos de lui dans des manifestations à Paris avec des gens comme Jacques Vergès. Pendant ses années universitaires, Abdoulaye Fadiga s'engage donc dans un militantisme tout azimut. Président de l'Association des étudiants de l'Université de Dijon, président des étudiants ivoiriens de France et vice-président de l'Union générale des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Mais surtout, il rejoint les rangs de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. La FEANF a été fondée en 1950 avec l'ambition d'être le fer de lance des idées panafricanistes se plaçant à la pointe du combat nationaliste. Il a toujours été pro-Afrique. Quand on devait voyager, papa refusait qu'on prenne une autre compagnie si ce n'était Air Afrique. Et je lui disais toujours, mais Afrique, bon, il y a les retards, etc. Il me dit, non, c'est pas grave. Si on n'aide pas les compagnies africaines, mais à quoi ça sert? Il avait compris qu'on avait des valeurs sûres en Afrique et qu'il pouvait les utiliser. À la fin de ces années 50, si riches en engagement, Abdoulaye Fadiga va même séjourner en prison en Côte d'Ivoire du fait de ses positions idéologiques. Nous sommes retrouvés à la prison civile d'Abidjan. Et nous sommes restés 6 mois. 6 mois, ils sont sortis de la prison que nous avons pris la photo que vous voyez. Nous étions 14 étudiants recherchés, on en a arrêté 8 dans Boulaye. Bardé de diplômes, Abdoulaye Fadiga a 25 ans. Le président Oufouette Boigny le repère très vite. Il est nommé secrétaire général de l'Organisation interafricaine du café, l'OIAC, à Paris. Il y restera 2 ans. 1962, Abdoulaye Fadiga rentre en Côte d'Ivoire. Il y est nommé directeur adjoint de la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des produits agricoles, communément baptisée Caisse de stabilisation ou Caisse TAB. Quand il est rentré à la Caisse de stabilisation, c'était aussi le premier Africain ivoirien, on va dire, à diriger la Caisse de stabilisation. Fadiga Abdoulaye, je dirais, homme d'État. J'ai bien dit homme d'État. C'est-à-dire quelqu'un qui avait le sens de l'État, le sens du bien commun, est capable de construire. Et c'était ce genre de personne dont on avait besoin, notamment en ce moment de notre développement de notre pays. En 1968, il en devient le directeur général. Il a tout juste 33 ans. À ce poste, Fadiga s'impose comme l'un des maillons essentiels du développement économique de son pays. Les premières années de l'indépendance, il nous avait été conseillé, parce que le pays avait une vocation agricole très très forte, de diversifier l'agriculture pour mettre plusieurs cordes à notre arc. Hein? Parce qu'on s'était rendu compte, et ça c'est Fadiga qui passait son temps à me rappeler ça, au Ghana où ils avaient une monoculture du cacao très importante, chaque fois que le prix du cacao sur le marché de Londres, marché à terme de Londres, descendait en dessous d'un certain seuil, il y avait un coup d'état au Ghana. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons fait l'option de diversifier. Nous, à l'époque, c'était le café. C'était le troisième producteur mondial de café après le Brésil et la Colombie. Donc on a diversifié, on a commencé à faire du cacao, du coton, les oléagineux, le palme, les VA, voilà, la panoplie de produits tropicaux, banane et ananas, où on est passé premier exportateur africain. La réussite de ce que nous avons fait au niveau de la stabilisation, la diversification agricole de la Côte d'Ivoire,
qui a permis à ce pays de, nous avons permis à ce pays de se mettre vraiment sur une rampe de lancement. Vous savez, si les choses avaient continué de façon linéaire comme on l'avait projeté, la Côte d'Ivoire devenait émergente en 2000. Il y fera ses armes de technocrate, efficace et humaniste, et se fera remarquer. Le président Fouillard, son temps, l'avait repéré depuis qu'il était étudiant. À l'époque, c'était le travail, c'était le pays, l'État, voilà. On était fiers de ce qu'on faisait et on envoyait les résultats. Le directeur de la caisse ne pouvait pas parcourir 100 mètres, 200 mètres en Côte d'Ivoire sans voir les effets de l'action de la caisse, qui n'était rien d'autre que la valorisation de l'effort de la grande masse des producteurs. Voilà, en fait, c'était ça. Nous ne faisions que valoriser le travail des producteurs. Donc c'était une responsabilité lourde et à la fois passionnante. De cette expérience, il acquiert des talents de négociateur qui vont lui être essentiels dans l'environnement multinational de la BCAO. Alors qu'Abdoulaye Fadiga est concentré sur la valorisation et la diversification des produits agricoles en Côte d'Ivoire, l'UMOA fait face à la sortie de la Mauritanie de l'Union monétaire. Le destin d'Abdoulaye Fadiga va en être directement impacté. En effet, cette sortie de la Mauritanie va accélérer chez les défenseurs de l'Union monétaire l'urgence de mettre un terme à un dispositif hérité de la colonisation. Abdoulaye Fadiga avait déjà une première expérience d'africanisation réussie, celle de la Questab, qui plaidait en sa faveur. Le président Oufouet Boigny lui propose de prendre les rênes de la BCAO. Et il m'avait soufflé le mot parce qu'on était à Touba, dans notre village. On préparait l'arrivée du président Oufouet Boigny, qui devait arriver. Et puis il a dit, bon, mais voilà, je viens d'avoir une nouvelle. Le président a accepté que j'aille pour travailler à la BCAO. Je lui ai dit, ah bon, bon, moi aussi je ne connais pas, j'ai dit la BCAO, c'est quoi? Donc il a commencé à m'expliquer tout ça. Et puis bon, il a dit, ah ben donc il va quitter Abidjan, là. On va passer pour nous. S'il quitte Abidjan, on est foutu. Hein. On dit, bon, le frère va partir. Et en tout cas, il était très heureux parce qu'il était à la caisse de stabilisation. Et il voulait partir de la caisse de stabilisation. La caisse de stabilisation, à l'époque où Fadiga était là, gérait pratiquement 40% du produit intérieur brut du pays. Il faisait travailler des millions de personnes. C'était le secteur de référence qui devait, être bien géré, tenu avec beaucoup, beaucoup de rigueur, ce qu'il a fait admirablement. Il n'avait plus rien à prouver. Il allait en grande montée en puissance. Les ministres des Finances des pays de l'UMOA se réunissent en urgence. Il leur faut répondre plus vite que prévu aux aspirations des peuples. La Mauritanie décide de créer sa propre monnaie et de sortir de l'Union monétaire ouest-africaine. Moment difficile, mais c'est un événement important qu'il fallait traiter. Le 1er décembre 1972, le Conseil des ministres de l'Union se réunit, crée un comité de réforme des institutions de l'Union monétaire et donne la présidence à un homme remarquable, M. Tiémoko Marc Garango, par sa détermination de faire en sorte que plus jamais on ne se retrouve dans une situation comme celle que nous vivons, qu'un État de l'Union monétaire se retire parce que nous n'avons pas été capables de faire les adaptations nécessaires face aux aspirations des peuples. Nous avions pris nos dispositions et nous étions organisés pour apporter notre technicité et notre modeste contribution aux efforts du Conseil des ministres de la. Et M. Fadiga est chargé de mettre en application les décisions du Conseil des ministres. 11 octobre 1974, la conférence des chefs d'État de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, se réunit pour la première fois à Lomé. Abdoulaye Fadiga est nommé gouverneur de la Banque centrale. Il est le premier Africain à diriger l'Institut des missions. Au moment de sa prise de fonction, la réforme des institutions monétaires de l'UMOA, engagée en décembre 1972, est déjà achevée. Le gouverneur Fadiga a la lourde tâche de mettre en œuvre cette réforme et de gérer la banque au quotidien. Et compte tenu de l'environnement multinational de la banque, il se doit d'être un médiateur assez subtil pour maintenir les équilibres dans les relations entre États. Le 10 février 1975,
il prête serment. C'est moi qui vous parle, qui ai installé M. Abdoulaye Fadiga comme gouverneur. Donc la réforme que nous avions faite a été un succès indéniable. Pour rappel, la réforme de 1973 visait justement de réduire absolument le poids et la place de la France dans les nouvelles institutions monétaires. Abdoulaye Fadiga, arrivé à la BCAO dans ce contexte, semble galvanisé. Il veut africaniser la banque sans dommage. Direction Paris, provisoirement. Il prend conscience très vite que les chefs de jeunes États viennent de lui confier leur souveraineté monétaire. Tout le monde sait qu'une monnaie est d'abord un phénomène politique, c'est-à-dire une volonté politique exprimée par les autorités les plus élevées dans un pays donné. Donc en l'occurrence, le chef de l'État. Une monnaie est un phénomène psychologique, ça veut dire une adhésion de la population à la monnaie. Mais une monnaie est aussi un phénomène économique. La valeur de la monnaie, donc le pouvoir d'achat de la population, est lié à deux facteurs importants. Les crédits qui sont faits par le système bancaire s'appuyant sur la banque centrale, donc il faut que ces crédits soient sains, qu'ils soient remboursés régulièrement. Deuxième contrepartie de la monnaie, la position créditrice qu'un pays a sur l'extérieur, c'est-à-dire l'argent qu'un pays possède sur l'extérieur. Et cet argent se matérialise uniquement par le volume des exportations. Plus le crédit est sain à l'intérieur, plus la valeur de la monnaie est solide et par conséquent, le pouvoir d'achat réel des populations est garanti. Le jeune gouverneur ne décevra pas ses mandants. Il allait démontrer tout son savoir-faire. Sa nomination constitue un véritable tournant dans l'histoire de la BCAO. Il s'agit avant tout d'africaniser l'institution et au-delà, de prendre en main la gestion de la politique monétaire dans le contexte d'une conjoncture difficile. Il faut changer fondamentalement la structure et le fonctionnement d'une organisation héritée de la colonisation. Et M. Fadiga a la responsabilité historique. De réaliser cela. Et il le fait avec une détermination de professionnel. Une révolution, un défi à l'époque. C'est pendant cette période que l'exercice réel de la souveraineté au plan monétaire a été assuré par les États qui étaient indépendants depuis 1962. Donc là, c'est un point capital. Sous l'impulsion du gouverneur Abdoulaye Fadiga, qui était un homme exceptionnel, qui avait une vision politique, qui s'était battu pour les indépendances africaines en tant qu'étudiant, qui avait conscience que l'Afrique avait sa place dans le concert des nations dans n'importe quel domaine, qui a su s'entourer de jeunes cadres, patriotes, qui ont compris qu'il fallait s'inscrire dans cette vision du gouverneur Fadiga, tendant à faire de la Banque centrale une banque africaine, au service des États africains et des économies africaines. De plus, la politique monétaire est conjoncturelle par essence. C'est l'actualité qui recommande ce qu'il faut décider. Abdoulaye Fadiga se met immédiatement à la tâche. C'est un homme pressé. De son passage à la caisse TAB, Fadiga conservera le mode d'exécution des tâches, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Dès le 14 février 1975, soit 4 jours après son installation officielle, il commence l'africanisation du personnel. Le siège de la BCAO est encore à Paris, rue du Colisée. Les cadres français sont nombreux. Le moment de les faire partir est venu. La décision est prise et elle prend effet dans la douleur. Les menaces sont à peine voilées. La BCAO doit affronter la fureur des cadres français qui l'attaquent devant les tribunaux parisiens pour licenciement abusif. Nous avons liquidé tous les fonctionnaires français. Ben, ça a été une audience houleuse.
puisque au cours des explications, des interventions, bon, et le plaignant bon, a bondi sur moi, n'est-ce pas, il a voulu me serrer le col, et la lutte, bon, nous a séparés. Donc le président du tribunal a dit, bon, ben, donc, je suspends l'audience. L'avocat de la banque devra faire preuve d'ingéniosité pour amener le juge des prud'hommes à comprendre la symbolique d'une telle restructuration. Les cadres français ne décolèrent pas. Ils prédisent qu'ils reviendront, que la BCAO n'y arrivera pas sans eux. Abdoulaye Fadiga entend tout. Il disait que c'était pas facile. C'était pas facile, qu'il avait une vision, mais que pour mettre en place cette vision, il avait beaucoup, beaucoup d'embûches. Les Français, ils ont dit que ça ne pourra pas marcher. Carrément, moi, il m'a dit ça. Il dit, ah, tu as vu, Amara, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, oh, que je vais dans le mur, que ça ne va pas marcher, tout ça. J'ai dit, non, non, non. Il a dit, ben, je ferai ce que je dois faire, mais nous allons réussir. Il traverse une période difficile, mais ne se laisse pas intimider. Sa sécurité est menacée, de même que celle de ses enfants. Une tentative d'enlèvement devant l'école est ébruitée. Un soir, à la sortie des écoles, on a failli enlever la fille du gouverneur Fadiga. Très heureusement, grâce à certaines vigilances, bon, l'opération n'a pas pu être réalisée. Mon père a appelé ma grande cousine pour qu'elle me ramène à la maison. Elle m'a ramenée. À ma grande surprise, j'ai vu toutes les personnalités de la banque à la maison, en plus des policiers qui étaient là. Et c'est là que j'ai su que c'était pour moi que les gens étaient là parce qu'ils ont tenté de me kidnapper devant l'école. On avait des policiers qui nous accompagnaient à l'école. Donc il y avait des risques sur la vie et puis l'intégrité physique de ces enfants. Donc déjà, on a vécu ça de manière incidente. En fait, on a su déjà que c'était une situation déjà très tendue. Compte tenu de l'insécurité dans laquelle nous nous trouvions, le gouverneur et moi, nous avons été obligés de nous séparer de nos familles. On a renvoyé nos familles à Dakar. Moi, nous sommes restés seuls à Paris. Ce n'était pas du tout gai. Mais enfin, quand on est pionnier, il faut toujours laisser quelque part des plumes. Le gouverneur Fadiga demande alors la protection de son pays. Un garde du corps bien sélectionné, venant d'Abidjan, sera chargé de veiller sur sa sécurité. Monsieur Touali Samuel restera à ses côtés jusqu'au bout. Il m'a dit comme ça que j'ai besoin de vous parce que à Somassi, en Paris, je prouve que j'ai besoin d'une personne comme vous auprès de moi pour me surveiller, pour m'aider, pour m'accompagner partout où je vais, afin de dissuaser ou bien de permettre d'être en sécurité. Le gouverneur Abdoulaye Fadiga a conscience de l'urgence de remplacer les Français par des Africains, capables de relever le défi, d'occuper valablement les postes qui seront laissés vacants. Malheureusement, au niveau du ciel, nous n'avions pas suffisamment de cadres. Donc il a fallu donc procéder rapidement à un recrutement direct. Il fallait africaniser la banque et il fallait l'africaniser non pas au rabais, mais avec des personnes qualifiées et qui, à tout moment, pouvaient sans complexe jouer le rôle qui leur était assigné. Il s'entoure de cadres compétents, nomme Daniel Kabou au poste de secrétaire général et Alassane Ouattara, conseiller spécial du gouverneur. Pour un jeune comme moi qui arrivait dans une si prestigieuse institution, avoir eu la chance de contribuer à tant d'étapes de la vie de la banque, qui est aujourd'hui notre fierté. Nous venions d'arriver à Paris, quelques jeunes Africains, n'étions pas nombreux, à peine 10 sur plus de 150 cadres. Le gouverneur Fadiga m'a demandé aussitôt, compte tenu des années que j'avais passées au Fonds monétaire international, d'être son conseiller spécial. Dans la foulée, le gouverneur Fadiga réorganise les services centraux en 7 directions centrales qui seront toutes dirigées à terme par des Africains ressortissants de l'Union. Les premiers parmi de nombreux pionniers, Mamadou Boubacar Ndiaye, Marcel Kodjo, Charles Konan Bani, Ousmane Noël Mbaye, Patrice Kwame. Avec cette promotion de jeunes cadres, s'achève l'africanisation des fonctions de direction du siège. C'en est fini de la mainmise des Français.
mais il y avait des sceptiques. Ils estimaient que la monnaie, et particulièrement la finance, étaient des aspects tellement importants de la vie économique que former des gens et reprendre en charge une banque centrale qui a été conduite depuis plusieurs années par des Européens, c'était un peu de l'utopie. D'autres cadres entrent également dans l'histoire de la BCAO, à la tête des directions nationales. Lamine Diabaté pour la Côte d'Ivoire, Adi Niang pour le Sénégal, Boukari Hadji pour le Niger, Patrice Bouévi-Lawson pour le Togo, Guy Pognon pour le Bénin et Congo Kassoum pour la Haute-Volta. Quand je jette un coup d'œil en arrière, quand vous reprenez leur parcours de cette équipe, vous verrez qu'ils ont tous, après, assumé des fonctions éminentes dans leur pays. Et c'est pour ça que moi, je ne cesserai de remercier Abdoulaye Fadiga de nous avoir créé cette atmosphère et d'avoir donné ce leadership qui nous a amené jeunes cadres. On avait la trentaine pour réaliser ce défi. C'est lui qui était chargé de réaliser l'africanisation des cadres. Ce n'est pas la chose la plus facile. Il fallait, disons, régler des problèmes d'hommes qui étaient là depuis des années. Comment, du jour au lendemain, les remplacer par des jeunes Africains? C'était exaltant, mais difficile. Et nous le faisions pendant que nous étions en France. Une fois cette réorganisation accomplie, et au nom d'une symbolique qui lui est chère, le gouverneur Fadiga accélère le transfert du siège du 29 de la rue du Colisée à Paris, à Dakar, en terre africaine. Cela a nécessité une mobilisation de tous les cadres de l'Union, de tous les membres, de tout le personnel technique compétent de la Banque centrale. Sitôt la première pierre posée le 14 mai 1976, les travaux sont conduits au pas de charge et la construction est achevée en 18 mois. Un véritable exploit pour un ouvrage de cette dimension. 22 niveaux et 70 mètres de hauteur. Se déroule alors le transfert de tous les services de la banque à Dakar, sans qu'à aucun moment les activités de la banque centrale ne soient perturbées. En plus, il ne fallait pas s'éterniser. C'est en ce moment-là que j'ai compris l'expression « comment essuyer les plâtres ». Nous avons littéralement essuyé les plâtres, car il ne fallait pas attendre que tout fût achevé avant, disons, d'habiter l'immeuble. C'était des défis extraordinaires à relever. Parallèlement à ces défis historiques qu'il a su relever avec panache et ténacité, le gouverneur Fadiga inscrit au cœur de son action la promotion d'une élite africaine de qualité formée suivant les meilleurs standards internationaux. Pour atteindre son objectif qualité et mettre à la disposition de la BCAO le professionnalisme exigé, le gouverneur Fadiga décide de créer le Centre Ouest Africain de formation et d'études bancaires, le COFEB, qui ouvrira ses portes le 3 octobre 1977 à Dakar. Le gouverneur Fadiga a eu cette lumineuse idée de mettre l'accent sur la formation des cadres. Et c'est là que tous les jeunes cadres de la banque ont été formés. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, enfin de jeunes, de personnes, de personnalités aujourd'hui qui occupent des hautes fonctions ont été formés au COFEB. Je prends l'exemple du président Yahi Boni, a été un produit du COFEB. Je trouve que si je devais dire quelle a été la plus grande contribution du gouverneur Fadiga, ça a été celle-là, sa vision. Dire qu'en quelques années, la banque devait être prise en main par les Africains, compétents, bien formés. Le 1er juillet 1978, le déménagement est enfin terminé. Transférer le siège de cette institution qui était à Paris depuis toujours d'ailleurs, à Dakar, nous l'avons fait en 2 mois. Ce n'était pas facile, mais nous l'avons réussi. Dieu merci. Ce programme organisationnel et immobilier traduit un volontarisme engagé et une détermination inébranlable. Le gouverneur Fadiga nous avait dit ça. Faites en sorte que cette institution, ce bâtiment que nous allons
construire à Dakar soit capable de faire face aux besoins en personnel jusqu'aux années 2000. C'est ce que nous avons fait. Et le gouverneur Fadiga amplifiera ce volontarisme capable de mobiliser. Il impulse un esprit de sacrifice hors du commun. Nous devions travailler avec donc les ouvriers sur les chantiers. Mes bureaux à moi, la direction des opérations financières, occupaient deux étages, le 8e et le 9e. Il n'y avait pas d'ascenseur et il fallait monter à pied tous les jours. Voilà un peu la situation que nous avons vécue pendant presque un an. C'est de cet esprit de sacrifice que leur venait certainement la force de gravir chaque jour les escaliers d'une tour de 22 niveaux, pas tout à fait terminée. Une belle culture d'entreprise qui impose que l'institution prime sur l'individu. Je voudrais rendre hommage au gouverneur Abdoulaye Fadiga pour vraiment son courage, pour sa ténacité, pour son sens de l'organisation, pour sa méthode de travail éprouvée et efficace. Car c'est grâce à sa méthode de travail-là que nous avons pu surmonter les nombreuses difficultés qui se présentaient à nous. Et le transfert du siège de Paris à Dakar a été certainement le couronnement des réformes, n'est-ce pas, des institutions de l'UMOA. Parce qu'il fallait ça, que la Banque centrale ait son siège en Afrique et tout son personnel. L'inauguration officielle du siège a lieu en présence de tous les chefs d'État de l'UMOA le 26 mai 1979. Dans cette ville de Dakar, République Lébou, qui n'a jamais été conquise, tout un symbole. Un moment fort, chargé d'émotions. Une fois les célébrations terminées, le gouverneur félicité de toutes parts, c'est malgré tout qu'on le regarde, qu'on attend la banque. Il répand sa culture du travail, insiste sur la ponctualité, s'impose une rigoureuse discipline qui oblige tous les directeurs et collaborateurs à suivre son exemple. À partir du moment où il se préparait pour partir au travail, c'est comme s'il portait un masque. C'était plus la même personne. Il était dans sa fonction, il était dans son travail et vraiment c'était deux personnes totalement différentes. On sentait la concentration, on sentait le poids de la responsabilité, on sentait la détermination, enfin bon, tout se lisait dans son visage. Mais c'était vraiment autre chose. Et je me souviens d'une fois être allé le voir donc pour parler d'une préoccupation que j'avais avec lui. Et bon, il ne comprenait pas pourquoi je venais le voir au bureau pour parler de ça. Pour lui, le bureau, ce n'est pas un endroit où on règle les problèmes familiaux, on va dire. C'était un endroit où on travaille et il avait besoin de son temps pour travailler. Donc c'était quelqu'un de très concentré sur son travail et qui vraiment, c'était... Bon. Il y a une chose que je ne vais jamais pouvoir faire comme lui, c'était cette passion pour le travail. Il n'y avait que le travail, que le travail. C'était un peu trop pour moi. 7h30, le travail. Et nous partons après que toute la banque soit vidée. À 7h15, il arrive à son bureau avant tout le monde. Et puis moi, il m'appelle à Abidjan, tu es où? Je dis, je suis au bureau. Deux fois, quand il dit, comment tu es au bureau? Je dis, non, je suis au bureau. Donc c'est vrai, il me surveillait pour que bon, moi, je puisse prendre un peu de sa rigueur. Moi, je lui dis, ah, moi, je ne peux pas, il dit, ah, c'est ce qu'il te faut. Il nous est arrivé d'organiser des séances de signature de documents qui ont débuté dans l'après-midi et que nous avons terminé vers 22h, 23h. Rien que pour signer les documents contractuels. Sa personne ne comptait pas. C'est toujours les autres. Il ne se sentait vif que dans la mesure où il avait un sens de la mission. Voilà. Le gouverneur Fadiga saura insuffler à l'ensemble des agents de la BCAO cette même abnégation, qui demeure à travers une quête d'excellence fortement ancrée, une institution imprégnée de son éthique, de ses valeurs personnelles et professionnelles. Rigueur et humilité. En tant que gouverneur, avec toutes ses responsabilités, il restait un homme simple, d'approche simple, et qui avait des rapports simples aussi, et des rapports humains avec les gens. Et nous étions sur le vol Air Burkina. J'étais peut-être jeune, mais un peu grisonnant à l'époque. Et M. le gouverneur Fadiga était en simple samba,
habillé. Et nous sommes descendus tous les deux. Celui qui était censé l'accueillir pour l'amener au salon d'honneur pour le passage s'est adressé à moi en me disant « Monsieur le gouverneur, le salon d'honneur vous attend. » Alors Fadiga a souri. Bien sûr, je n'ai pas voulu avancer. C'est lui-même qui m'a poussé. Non, allez-y. C'est après que j'ai expliqué au monsieur que ça fait un peu une méprise et que le gouverneur, c'était bien l'autre. Bon, mais ça, c'était sa nature. Vous le croisiez et les gens sont souvent étaient stupéfaits lorsqu'on disait que c'est ce monsieur le gouverneur de la Banque centrale. Et puis on lui disait le billet de banque que vous avez en poche, regardez la signature, c'est sa signature. Et les gens étaient surpris. Le gouverneur Fadiga était un panafricaniste convaincu, le serviteur infatigable d'une union monétaire et d'une banque centrale qui ont eu besoin de son engagement pour s'imposer. Abdoulaye Fadiga ne veut plus de défections comme celle de la Mauritanie au moment de la réforme, mais plutôt de nouvelles adhésions à l'Union. Fort heureusement, le Mali rejoint l'UMOA en 1984. La conférence a décidé de l'admission de la République du Mali à l'Union monétaire ouest-africaine. Cette entrée du Mali, de surcroît en pleine crise des années 80, est un véritable moment de joie pour Abdoulaye Fadiga. La récupération du Mali dans le CFA aussi, Dieu merci, ça a pu se faire. Ça, il était très content. Ça a été un grand moment. C'était la première expérience que nous avions. Et il fallait concevoir cette opération-là. Notre équipe a conçu cette opération et l'a parfaitement réalisée. Ainsi, l'union monétaire s'est agrandie. Et la BCAO est en pleine mutation. Elle doit repenser ses règles d'intervention, faire face aux problèmes des pays du Sahel qui connaissent une sécheresse de grande ampleur. La chute des prix des matières premières n'est pas pour arranger les choses. De plus, la sollicitation excessive de la monnaie centrale pour financer les déficits publics a fini par montrer ses limites. Les réserves de change au compte d'opération n'en avions plus. Nous avons un seul débiteur. Les pays, notamment la Côte d'Ivoire, avaient été frappés par la détérioration des termes de l'échange, une appréciation brutale de la monnaie, des déficits importants, aussi bien au plan de la balance des paiements qu'au plan du budget, et des problèmes de gouvernance. Plusieurs pays avaient des comptes débiteurs à la Banque centrale. Et la BCAO est obligée de s'endetter auprès du Trésor français. Elle traverse une période difficile. La crise qui sévit dans le monde, de même que la crise bancaire qui frappe l'UMOA vers la fin des années 80, ne l'ont pas laissé indemne. Parce que les banques mal gérées avaient contribué à la détérioration du bilan de la banque. Donc il fallait reprendre en main la banque. Mais au moment où il a le plus besoin de sa vitalité pour mener à bien une nouvelle politique de la monnaie et du crédit, Abdoulaye Fadiga doit affronter cette fois plus fort que lui, son destin. La maladie est venue perturber ses projets, lui impose un calendrier qu'il n'avait pas prévu. On avait l'habitude à midi de marcher sur la rue Longchamp pour aller manger. Et donc là, un jour, je sors et je vois donc la voiture de mon père, que je connaissais bien, qui s'arrête sur le bas-côté d'en face. Et là, il descend et je comprends tout de suite que quelque chose se passe. Parce qu'il portait des habits dans lesquels il flottait totalement. Et ça s'est passé en pleine rue, et j'étais avec mes amis. Il est descendu, je l'ai regardé, il avait les yeux jaunes, extrêmement jaunes, c'était quelque chose de très choquant pour un enfant. Et donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On l'a vu arriver. Cette année-là, alors qu'il vient tout juste d'être reconduit par les chefs d'État dans ses fonctions de gouverneur pour un nouveau mandat de 6 ans, Abdoulaye Fadiga ne participe pas aux assemblées annuelles du FMI qui ont lieu à Berlin. Lors d'une réunion des ministres des Finances de la zone franc, il est pris d'un malaise dans une des salles de Bercy. En sa mémoire, cette salle porte son nom, traduisant tout le respect et l'admiration qu'inspirait le gouverneur Fadiga dans le monde économique. Pendant tout le temps qu'il est resté à la banque, il n'a jamais pris de congé. Une seule fois, il est venu ici, il dit, bon, Amara, on va à Mans, parce qu'il avait son ranch, il faisait l'élevage. Il dit, on va à Mans, on est parti d'ici, on est arrivé à Mans à 2h du matin. À 6h, le président Kérékou l'appelle pour dire, bon, il paraît que tu es à Mans, il faut revenir. On a pris le barrage, mais il n'a jamais pris de congé. Il sera allé au bout de ses forces, négligeant comme à son habitude de prendre des vacances méritées auxquelles il a droit, ou le repos recommandé par ses médecins.
En pleine morosité des années 80, au plus fort de la crise de la dette, la BCAO perd sa boussole. Après 14 années de combats menés, de luttes acharnées pour rendre la gestion de la politique monétaire aux Africains, de défis relevés et d'ambitieux projets menés à leur terme, le gouverneur Fadiga s'éteint à Dakar à l'âge de 53 ans. Nous sommes le 11 octobre 1988 et, telle une onde de choc, la nouvelle de son décès se répand. Le président Félix Houphouët-Boigny envoie son avion personnel chercher la dépouille de l'illustre disparu. Il sera ramené de Dakar vers son pays natal, la Côte d'Ivoire, afin que des honneurs mérités lui soient rendus. À Abidjan, les hommages se succèdent. Son humilité est unanimement saluée. Les messages de condoléances affluent de partout. C'est peut-être à ce moment-là que beaucoup, y compris au sein de sa propre famille, mesurent enfin la dimension de l'homme dont le décès sonne plus fort que l'existence si discrète qu'il aura menée. Notre père était un bon père, un très bon père de famille. Mais c'est après son décès que j'ai réalisé qu'il avait des responsabilités assez importantes. Que je me suis rendu compte de toutes les charges qu'il avait. Ses obsèques font venir à Abidjan, puis à Mans, où il sera enterré le 14 octobre 1988, de très nombreuses sommités du monde politique et de la finance. L'affliction se lit sur tous les visages. Homme intègre, banquier émérite, ambitieux pour l'Afrique, rigoureux et dévoué, Abdoulaye Fadiga était un gouverneur profondément attaché à l'intégration économique et monétaire des pays de l'UMOA et à la défense de la monnaie centrale. Il souhaitait promouvoir une élite africaine de qualité. J'ai eu la chance d'assister à Dakar à une réunion qui tenait avec des partenaires qui étaient venus faire un genre de revue des activités de la banque. Et le chef de cette mission, qui appartient à une institution internationale, au cours de la revue, malencontreusement a dit « Écoutez, monsieur le gouverneur, je crois que tout va bien, mais il y a certains aspects pour lesquels nous pensons qu'il vous faut des experts. » La première réaction de Fadiga, c'est de lui répondre en disant « Je suis désolé, ici, il n'y a pas d'experts qui viennent de l'extérieur. Les experts, c'est nous. Dans votre système, vous pouvez être expert, mais ici, c'est nous les experts. C'est nous qui devons vous dire ce qui se passe chez nous et comment on le fait. Vous ne pouvez pas intégrer et je ne pourrais pas accepter d'expert ici. » Ça, pour quelqu'un qui était là, je crois que c'est suffisamment stimulant pour dire « Je refuse parce que je fais, parce que je sais et parce que je conduis que quelqu'un puisse prétendre être expert à ma place ici. » Il ne tenait pas à donner de la Banque centrale l'image d'une institution dispendieuse et d'argent facile. En famille, il en était de même. Donc ça rejoint un peu sa vision des choses. Pour lui, l'argent ne vaut que pour ce qu'on en fait. C'est bien d'avoir de l'argent, mais pas pour soi-même. C'est bien d'avoir de l'argent pour aider les autres. Voilà. Et concernant l'argent, il nous a fait très vite comprendre qu'il fallait d'abord compter sur soi-même. Et pas sur un héritage ou quoi que ce soit. Un homme se fait lui-même. Un homme, la meilleure des choses qu'on puisse vous donner, c'est l'éducation. On ne vous laisse pas d'argent. Je me rappelle d'ailleurs d'une anecdote où une année nous a appelé mon grand frère et moi en disant bon, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'héritage. Donc vous ferez mieux de prendre vos études au sérieux parce que je ne vous laisserai absolument rien. On est sorti de là. Moi, j'étais très jeune. Je suis sorti de là un peu perturbé. Je demandais à mon frère, je dis mais qu'est-ce qu'il raconte tout ? Mon frère qui me dit, mais tu sais, il est un peu bizarre, hein, ton père, donc il vaut mieux prendre tes études au sérieux et tout ça. Et donc finalement, on est resté comme ça. Au point où, c'est quelqu'un de très psychologue aussi, au point où finalement, quand il est décédé, qu'on nous a appelé pour dire d'aller voir un notaire, ma première réaction, c'était de dire pourquoi faire. La Banque africaine, telle que vue par le gouverneur Fadiga, est autant une expérience individuelle que collective. La BCAO m'a beaucoup apporté. Je pense que c'est là la réalité. Si je le dois au gouverneur Fadiga, qui a été véritablement un grand bâtisseur, une personnalité qui avait une vision, pas seulement pour la banque, mais pour l'Afrique, pour les Africains. Il la voulait sobre, admirée, respectée. S'il y a quelque chose que j'ai le plus admiré chez le gouverneur Fadiga, c'est sa détermination.
Parce que je crois qu'il avait ce don de vous amener à croire à ce que vous faites et à parvenir au résultat que vous souhaitez. Je crois que cette détermination, il l'a inculquée à chacun de ses collaborateurs et c'est ce qui a permis à la banque justement de maintenir son efficacité jusqu'ici. C'est la confiance qu'il a donnée aux uns et aux autres. Cette confiance, c'est de dire vous pouvez, vous n'êtes pas moins que les autres, vous pouvez et vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez jouer votre rôle dans le concert des nations en ce qui concerne la partie qui vous occupe, c'est-à-dire sur les questions monétaires et financières. Fadiga a fait de telle sorte que quand vous servez la banque avec loyauté et avec sincérité, vous apprenez beaucoup de choses. Et vous n'avez plus ce complexe que quelqu'un d'ordinaire peut éprouver parce qu'il n'a pas confiance en lui. Ça a été déterminant, surtout pour les jeunes cadres comme nous qui venions de rentrer dans la banque après une formation. Nous étions très admiratifs de nos prédécesseurs. Nous voyons les valeurs qu'ils cultivaient et nous voyons aussi leur détermination à réussir. Toutes ces valeurs ont été efficacement perpétuées. Pour moi, il est parti trop tôt et jusqu'à présent, il est de ceux que j'ai du mal à accepter qu'il ne soit plus avec nous. Et je crois que son esprit est toujours là. L'esprit qui est installé à la Banque centrale, pourvu que cela continue, pourvu qu'il n'y ait pas des aventuriers qui vont vouloir venir réécrire l'histoire, il faut maintenir l'esprit. L'esprit de solidarité, l'esprit de cohésion. Maintenant, vous savez, hein, rien n'est jamais acquis, ouais, définitivement. À la BCAO, l'institution prime toujours sur l'individu et l'Union monétaire cultive toujours les valeurs de solidarité qui ont motivé sa création et qui, jusqu'ici, en garantissent la solidité. Cette histoire fait partie des meilleurs moments que les Africains peuvent présenter au monde. En plus, cette histoire concerne un domaine qui, pendant longtemps, est apparu comme ésotérique, pour laquelle les Africains, a priori, étaient perçus comme étant incapables de la mener à bon port. Que ce soit avec moi ou peut-être après moi, se ressentira toujours d'un certain nombre de valeurs et d'orientations qui ont été tracées par le gouverneur Fadiga. Abdoulaye Fadiga laisse un héritage considérable à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, une trace indélébile dans l'histoire ouest-africaine. C'est la fin de cette émission. Nous espérons qu'elle vous aura permis de découvrir qui était Abdoulaye Fadiga, ce banquier émérite, gestionnaire compétent, rigoureux et dévoué, qui avait placé la simplicité et les relations humaines au premier plan. Abdoulaye Fadiga était et restera toujours un modèle.